Nous sommes au Mexique. Et au Mexique, il y a les Aztèques. Les Aztèques pensaient qu'il y avait 5 soleils. Bonjour, je suis Gilles Leclerc, donc coordonnateur pédagogique du camp linguistique franco-polonais roumain. Particularité effectivement cette année pour ce 18e camp linguistique, c'est que ce camp appartient à une activité, est une des activités d'un projet Erasmus+. Tellement grand, c'était une grande catastrophe, le soleil est mort, mais la terre s'est ouverte. Et vous savez qui est apparu? Les hommes, people, the peer. Le thème de ce projet est la divulgation de l'apprentissage du français dans ces deux pays que sont la Pologne et la Roumanie. Ce 18e camp a pour la particularité d'accueillir des élèves roumains. Ils sont au nombre de 20, accompagnés de 5 de leurs professeurs, et des élèves polonais qui sont aussi au nombre de 20. Bien, au départ, les cours, c'est un petit peu difficile parce que justement, il y avait les Polonais et les Roumains. Mais on l'avait souhaité, et ce qu'on avait souhaité, c'est qu'ils arrivent à échanger entre eux, et la seule façon d'échanger, c'était la langue française. Ce qu'on souhaitait aussi cette année, c'est d'avoir des textes simples, court, et bon, je pense que de ce côté-là, on a réussi. La cigogne qui est là, cet oiseau-là, normalement, il est là. Non, c'est l'oiseau emphytique pour monter D'accord, oui, ok. Là, il faut faire la tête du prince. Nazywam się Kasia, jestem z Olsztyna. Nazywam się Dominika, jestem z Elbląga. Przyjechałam tutaj, żeby podszkolić francuski i poznać nowe osoby. Donc voilà, pendant ces deux semaines, avec les jeunes roumains et les jeunes polonais, on a créé des kamishibai, 10 groupes de kamishibai. Les jeunes étaient par groupe de 4 et ils ont chacun créé un spectacle. Hello, my name is Oria and my name is Lilibera. And we're from Romania. Yeah. We're working on a project for camp linguistic French. Yes, here in Olsztyn. Yeah. And we have to draw kamishibai. It's Japanese art and theater, of course. Yeah. And we have to draw a story and play it. Nous sommes en 2015 à Holstein, Holland. Le tout premier soir, quand tout le monde est arrivé au camp linguistique, j'ai présenté un spectacle que j'avais réalisé sur le petit chaperon rose qui rencontre le Père Noël. Et ça a été une façon pour eux de découvrir cette forme de spectacle qui n'est vraiment pas du tout populaire, ni en Roumanie, ni en France, ni en Pologne. Donc ils ont vu ce que c'était que le kamishibai, et ils ont rigolé, ils se sont intéressés à cette technique. Et le lendemain, on a présenté un projet qu'on avait réalisé avec Jean-Yves Le Guen, un projet collectif, pour en fait créer un spectacle collectif dans lequel chaque groupe avait son rôle à jouer. La musique envoûtante. Et cette année, donc, le fil conducteur du projet, c'était de travailler sur les lettres de l'alphabet associées à des pays d'Europe. Et c'était un projet vraiment intéressant parce que ça leur a vraiment permis de travailler le vocabulaire et la culture des pays, de découvrir des cultures, des légendes, une géographie des villes,
ou des choses caractéristiques de chaque pays, et grâce à ce matériel réel, en faire quelque chose de magique et de créatif. Voilà. Et je pense que vraiment, cette année, ça a été très, très, très réussi. Bardzo nam się tutaj spodobało. Jesteśmy miło zaskoczone. Dużo się tu na pewno dzieje, jest dużo rozrywek. Poza tym, że siedzimy w klasach, bo tutaj tylko po 4 godziny dziennie siedzimy, a tak poza tym to jeździmy na różne wycieczki, na plaży byliśmy. No i naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Aujourd'hui, je fais de la cuisine. It's very good. What is this? Tak to się nazywa. Sam cukier i kola i żelki. Lubianki. No paper have said avec coke, sucre, wine, chamallow, citron et bonbon. Et jalouse parce que Blondine chante bien. Je te valoure dans la chaudron. Et maintenant, la famille est riche. Youpi. Ja nie miałem czasu się stresować, bo przedstawiliśmy pierwszy nasz spektakl. No i no niestety w następnym roku nie mogę już przyjechać, jestem za stary. Ale może spróbuję jako wychowawca. Magnifique, je peux dire fantastique. Nous avons mis beaucoup de personnes très intéressantes, de Roumains de France. Et je pense que ce camp est plus bon
qu'elle l'année dernière. Qu'est-ce que... J'adore. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.